Salut à tous, c'est Tonton NJ et on se retrouve sur Mario Partie 3 et je vais me faire un combat royal tout seul. Non, je déconne. Non, putain de manette qui bug. Bon, je vais quitter, évidemment c'est une blague, je ne vais pas me faire... Quoique, je pourrais vous... Non, je déconne, on va pas se faire une... Comment ça les persos sont déjà choisis? Qu'est passé? Un truc que j'ai pas dû comprendre. Est-ce qu'on avait commencé une partie? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On a jamais joué cette partie là. À moins qu'ils aient joué hier soir. Ça m'étonnerait. Ah non. Le jeu s'est bien lancé tout seul. Il m'a mis avec 6 ordinateurs l'enfoiré. Avec 3 ordinateurs. Non, ça a planté, il y a 4 ordinateurs. Hein. Non, ça a planté. Je savais pas que ça existait ce genre de truc. En tout cas, ça a planté, donc voulez-vous quitter l'explication et autres. Ah, ok, c'est moi qui a mis les explications. Donc, non. Je ne vais pas me faire une partie tout seul. Je vais simplement me faire quelques mini-jeux. Cette manette, elle commence à m'emmerder. Voilà. Donc je vais me faire quelques mini-jeux comme ça pour vous expliquer quelque chose. Donc on s'est fait une série de vidéos encore une fois qu'on va vous poster sur un jeu. Et ce jeu, ben, c'est celui que vous voyez en ce moment, auquel je joue. C'est Mario Party numéro 3. Donc c'est une vidéo qu'évidemment j'ai pas fait tout seul hein. Bon moi je voulais Todd mais comme il y est pas, Yoshi. Et on va mettre ces deux enfoirés avec bon, Donkey Kong. Donc oui, c'est une vidéo qu'on s'est fait à 4. Donc avec moi, Boivin, Lolo et un autre joueur que vous découvrirez dans la vidéo. Qu'on va poster je pense pour Noël. Hein, Noël jusqu'au... Ouais en easy parce qu'ils vont déjà me mettre la race en easy donc... On va poster vers Noël jusqu'au nouvel an, je pense. Donc, en sachant qu'il y a 12 ou 13 vidéos, je pense, sur le Mario Party. C'est un truc qu'on s'est fait en 35 tours. Donc, je sais pas exactement combien il y a de vidéos. Ça coupe à peu près aux 15 minutes, je crois. Donc, on va voir ça. Salle de masquage. Non, on veut jouer à des jeux, oui. Donc là, vous voyez tous les mini-jeux qu'on a pu débloquer en jouant un tout petit peu. Donc, voilà. On va se faire un petit mini-jeu pour... Merci les jeux de merde. Non, je veux des jeux à 4. Oui, mais j'étais en train de parler là en fait. Donc oui, qu'on se fait à 4. Donc avec moi, Lolo, Boivin et Blanchette que vous découvrirez dans le jeu. Et on s'est fait donc les 35 tours avec tous les mini-jeux et tout le bordel quoi en fait avec les étoiles. Et sérieusement, c'est marrant à voir. On s'est amusé à le faire. Bah, c'est un Mario Party, c'est normal que ce soit marrant. Mais bah regardez, je pense pas que ça doit être chiant quoi, parce qu'il y a des... C'est Mario Party, il y a des retournements de situation, il y a des coups de pute, hein, j'avoue que j'ai honte, parfois j'ai honte d'avoir fait certaines choses. Mais au final, on s'amuse bien, et donc ce que je vous proposerai c'est de, mais dès la première vidéo, de choisir, de voter en fait pour celui que vous pensez qui va gagner. Parce que c'est pas évident. Je dis pas que c'est moi, je dis pas que c'est quelqu'un d'autre, mais voilà. Bon, moi j'aime faire un mini-jeu parce que depuis tout à l'heure je fais n'importe quoi. Mini-jeu marrant quand on est tout seul, c'est pas évident. Bah, tout seul, ce jeu est beaucoup moins drôle qu'à plusieurs, évidemment. Que des jeux chiants. Je pourrais m'entraîner à ce jeu à la con là. Non, je voulais passer les règles en plus. Oui, donc voilà, et ben c'était juste pour ça. Mais si maintenant qu'on est là, je vais me faire une petite partie de hors-bord à bas-bord, quelque chose comme ça. Le jeu favori de Lolo. Allez, ça joue. Lolo nous a enlevé plusieurs pièces à ce jeu. Et bon voilà, c'était juste pour vous prévenir de... Oh, c'est pas mal ça comme virage. Pour vous prévenir de ça, je sais pas si ça va vous intéresser plus que ça, mais bon. J'avais dit que je préviendrai, donc c'est ce que je fais. À ma façon, c'est-à-dire une façon totalement à chier. Mais je pourrais aussi tester ce Mario Party. J'avais dit que je ferais plus de tests, je sais, mais... Mais bon, pour le délire. Mais c'est vrai que les tests avaient vachement été mal pris. Hein. La première fois que j'en avais fait, les vidéos tests que j'avais fait, ils avaient été vachement mal pris par les utilisateurs de YouTube qui m'avaient envoyé
des messages, plusieurs messages privés au personnel. Et donc, ah, j'ai fait un nouveau record en plus, non? Ah non, non, le record est en vert. Ouais, donc je disais ouais qu'avait été vachement mal pris, c'est assez dommage parce que moi je fais juste ça pour m'amuser, je fais pas ça pour tirer quelconque profit ou je ne sais quoi. Donc les insultes, voilà quoi, c'est marrant, seulement 2 secondes. Que déjà la con. Donc oui, bah je pourrais repartir dans plusieurs tests. Mais en tout cas voilà, ce qu'il y a c'est que en cette fin d'année, bah on a dit qu'on se prenait pas la tête à faire des tests et qu'on allait s'amuser. Et si vous regardez toutes les dernières vidéos qui ont été postées, c'est des vidéos qu'on s'est fait à plusieurs. Donc on a eu la fameuse épopée hein, sur Heart of Darkness. Je sais pas si vous l'avez regardé au complet, si vous l'avez fait vous êtes un psychopathe. Ensuite on a eu, comme je vous dis, la partie de Mario Party. On a eu les défis à Athènes 2004 avec Saramo, Dololo, Boivin, Milka. D'ailleurs celui de Lolo, je sais pas si... Ah, vous verrez. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme vidéo, je sais plus. Je pense que c'est tout. Et donc bien sûr la vidéo de Mario Party que je suis en train de vous annoncer depuis tout à l'heure dans le mini-jeu à 2, j'ai déjà vu, c'est chiant. Et donc oui, je vais repartir sur des tests, je vais en refaire, c'est sûr. Je pense que j'ai compris à peu près où ça avait merdé. La première fois que j'avais tenté d'en faire, c'est que j'étais pas assez sérieux. Donc les gens évidemment, mais eux ils prennent ça comme si je me foutais du jeu. Ce qui n'est pas le cas hein. J'ai pas envie de faire un jeu de hasard. Ce qui n'est pas le cas évidemment. Mais faut pas prendre ça comme un test exclusif. Je vais m'entraîner à ce truc là pour tous les niquer aux prochaines fois. C'est vraiment des tests histoire de dire que je parle du jeu. Voilà, ben j'ai changé pour Tonton NJ commente les jeux vidéo. C'est ça quoi, voilà. Je teste pas vraiment le jeu, j'en parle, je dis ce que j'en pense. Et voilà, on va voir si ça marche. Alors, faut que je saute au moment où il y a le téléphone qui passe devant moi. Alors, on va voir si j'arrive à voir ma clochette boue. Non, ok, c'est pas ça. Je vais réessayer. Ouais, c'est super. Donc je vais m'entraîner, comme ça je vais tous les niquer la prochaine fois. Parce qu'il faut savoir qu'on se fait assez souvent des Mario Party le soir. Mais on les filme pas tous, hein. C'est la place que ça prend, vous verrez ça dans la vidéo. Je dois avoir un problème de capture, c'est pas possible. Chaque vidéo me prend 4 gigs et quelques. Enfin voilà. Là je vais toujours essayer si je saute quand il y a le buzzer. Est-ce que j'ai champignon d'or? Non, ok. J'ai un petit bout. Le repousse-bout, là, c'est pas mal. Bon mais voilà, je vais pas rester, je vais pas m'éterniser à vous mettre une vidéo à la con comme ça. C'était juste histoire de parler. Donc ben, je vais vous laisser sur ces images de Mario Party numéro 3. C'est sur Nintendo 64. Et c'est vraiment de l'éclate à plusieurs ce jeu. À 4. Si on y joue pas à 4, c'est chiant. À 3, c'est chiant. Alors là, regardez bien. Je vais essayer d'avoir le coffre d'objets là. Ah, trop tôt. Non, merde, putain, trop tard en plus, je pense. Bah, une dernière fois. J'en ai ras le cul d'avoir ce putain de Bowser. En plus, je sais pas comment je fais, putain, je l'ai tout le temps. Enfin, vous verrez dans la vidéo, j'ai des passages. C'est monstrueux la malchance que j'ai. Alors. Cette fois, j'essaie d'avoir le gant de Michael Jackson. Faudrait que je saute quand la clé passe devant moi, je pense. Ou entre la clé et le Bowser, voilà, hop. Non, mais putain, j'ai un problème. Faudrait que je saute un peu. En fait, faudrait que je saute carrément à l'objet d'avant, je pense. Ah, je vais essayer ça. Si ça vous dérange pas, sinon quittez tout de suite hein, parce que c'est tout ce que je vais faire. Allez, je réessaye d'avoir un objet, une lampe magique, tiens, ce serait sympa. Bon, alors le gant de Michael, allez, je vais sauter quand il y a la clé. Ça m'a l'air vachement tôt quand même. Ah, j'aurais dû le faire. Allez, quand il y a la clé, et parti. Est-ce que j'ai le gant de Michael? Oui. Donc, ok, c'est bon, j'ai compris le principe de Merci Bibi. Ça, c'est bien. Bon, mais je vous dis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. Et ben je remercie tous ceux qui suivent ce que je fais un peu, qui... Bah, y en a qui disent qu'il faut pas remercier les gens qui regardent les vidéos, je citerai personne. Mais moi ça me... Mais ça... J'aime ça que... J'aime pas, en fait, plutôt j'aime pas ça quand... merde, c'était trop tard. Et allez, j'ai pas fait attention. J'aime pas ça quand... Bah poster une vidéo sans qu'elle soit regardée, c'est sûr que ça... Ça fait un peu chier, comment dire. Ça me casse un peu dans mon moral, quoi. Tu postes une vidéo que t'as 6 vues dessus au bout de 3 mois, bon. Donc oui, je vais remercier les très rares personnes qui regardent mes vidéos. Mais bon, voilà, je vais sauter quand il y a le Bowser.
Et là, le coffre. C'est bon, je l'ai compris, je l'ai compris, je l'ai compris. Bah mais voilà messieurs, dames, je vous dis bonne soirée, bonne journée et à la prochaine donc pour cette partie de Mario Party. C'est vachement con à dire. Et donc vous verrez l'intro, j'essaie de faire ce que j'ai pu pour l'intro de du Mario Party. Allez, à plus tard.